Normalement, tout est en place, ça devrait fonctionner. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis. Je suis en joie à l'idée d'un lundi férié. Ce qui veut dire que je vais m'amuser comme un petit fou. Voilà, je suis en train de choisir mon jeu de départ. Je bois mon café au lait, j'espère que vous allez bien. Fais du bien pour vous, ça va pas. Quelques manœuvres que j'aurais faites ce matin de entre guillemets ménage m'auront déjà assoiffé, m'auront déjà déshydraté. Bonjour Nayone, je veux aussi boire un café au lait. Allez! Okidoki Nayone. Je vais démarrer moi sur l'Arche de Noé en 3D. Tout doux, et puis après on verra au fur et à mesure de la journée bah si on peut se faire des jeux en commun quoi. Mince, je sais plus comment je faisais pour déclarer le hic, pardon. J'avais fait comme ça le Noah Prout. 3D. Voilà, ah, il y en a pas mal. Putain, la vache. Ah, il y en a même trop. Ah, bah, le v'là, le bon jeu, c'est celui-là. Voilà. Ce qui fait que, si je dis pas de bêtises. Ah, mais j'ai oublié de mettre mon chat. Approuvé pour la famille. J'ai l'impression de voir un truc, un logo genre Famille de France. Enfin bon, bref. Quelle époque. Bon, c'est vrai que les vrais jeux, pour toute la famille, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, tiens, je me suis amusé, pour tout vous avouer, hier, quand je suis allé voir la famille. Le matin, je faisais. Enfin, bref, j'avais le quartier libre et j'ai regardé sur l'ordi, je flânais un peu sur internet. Et j'ai flâné sur la fameuse plateforme GOG. Et à un moment, j'étais intrigué parce qu'ils ont classé un jeu, ne me demandez pas lequel, j'ai pas retenu le titre. Mais ils ont mis deux étiquettes qui pour moi sont contradictoires, c'est horreur, horrifique et pour toute la famille. Ça flaire ceux qui veulent vendre absolument leur jeu et qui sont prêts à mettre n'importe quelle étiquette pour que leur jeu apparaisse partout, mais en toute malhonnêteté intellectuelle, voyez. Hamid! Attendez, faut que je retrouve mes touches, moi. Je sais même plus comment je jouais. Comment je jouais? Oh! Comme qui dit waouh! Attendez. Mais le troisième scénario, mais. Je vais être vilain. Je vais être vilain, j'ai vu que j'avais. Il y avait plein de secrets que j'avais pas trouvé. Attendez que j'ouvre un peu les yeux, là. Oh, ce waouh. Où est-ce qu'il y aurait des secrets que j'aurais pas. Oh. Attendez voir. Puis à un moment, j'ai pas le droit à une carte. Si. Attendez, je vais être fou, je joue avec la carte. Alors pardon si ça pique un peu les yeux. Attendez.
mais non, mais non, mais non, c'est... Ah. Là, on voit qu'il y a un truc qui est pas logique. Là, on voit qu'il y a un truc qui est fermé et qui ne devrait pas l'être. Ça. Il n'y a pas un plus grand secret? Attendez voir. Si je vais sur le côté. Sur le côté du côté du côté. C'est coton. Ah non. Ah, ce jeu va me rendre fou. On voit que sur la carte, il y a un truc qui est bizarre. What the fuck? What the fuck? Je fais la touche pousser ou ouvrir un truc et ça marche pas. Non, c'est scandaleux. Ah. Merci monsieur scandaleux. Wow. Oh. Oh ce jeu. Il y a des trucs que je verrai pas? Ça m'étonne. Non, ça n'a pas de sens. Non, non, c'est pas ça. J'espère que la vision que je vous offre ne vous pique pas trop les yeux. Oh! Que signifie? Ah mon dieu! Alors, au petit-déj, tu dis j'ai mangé un gros œuf tout cru, tout de chocolat blanc. Ouais, bah dis donc. C'est bas, oh. Bah, moi j'ai déjà mangé quelques petites chocolateries. Ouais, des petits œufs au chocolat, là, mais des jours précédents. Et j'ai ma maman adorable, donc je te laisse deviner, c'est elle que à qui j'ai rendu visite hier. Adorable qui m'a offert un lapin en chocolat. Mais je le mangerai pas aujourd'hui, je le mangerai plus tard dans la semaine. Là j'en ai... Enfin je sature en chocolat, j'ai eu ma dose. Mais ça fait évidemment, ça fait vachement plaisir. Surtout que le prix du cacao s'envole, alors sniff, c'est un luxe. Je crois que j'ai loupé un passage secret. Je crois qu'il va mettre 80% de secret. C'est ça. Vous savez quoi? Je vais même pousser de vie, ça me dire qu'il y avait une symétrie parfaite. Donc je vais recharger la partie. Et je vais avoir le culot de... Si le jeu est pas trop vache, c'est logique, il y a une symétrie. Eh ben non. Les salauds, merde. Ou alors l'axe de symétrie, ce serait par rapport à... Ah non. Ah merde, il est où le dernier passage secret? Il est pas quand même dans le secret lui-même. Non, mais non, j'ai déjà essayé de pousser ces murs. Ils ont. J'ai truqué. Oh merde. C'est pas là. Et attends, le début du niveau, il est là, je crois. Ah oui, c'est grand quand même. J'aime beaucoup le sol de l'arche. J'aime bien. Et là, tu reviens en arrière. Oh oui!
Oh merde, c'était ça en plus. Alors j'y croyais pas. Je l'ai fait symboliquement en rigolant, mais finalement c'était ça. Alors ça brise un peu une logique conceptuelle. Parce que c'est censé représenter en fait l'arrivée. Le passage du niveau précédent. Elle dit qu'on puisse le pousser. Ouais, c'est discutable. Bref. Ce n'est qu'un jeu. Voilà, là je sais que je vais avoir à 100% tout. Je vais avoir 14 milliards de points bonus. Allez, sérieusement, on va partir dans le niveau. Dans l'épisode 3. Parce qu'on aime chat. On aime chat. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Waouh. Noé, Noé, Noé. Pourquoi t'es pas sur le bateau? Noé, Noé. Ah! Cet accueil. Allez au dodo, les vilains. C'est le boxon non lâche. Elle me les... Hein? Attends, mais... Noé est déjà mort, arrêtez. Ah! L'antilope. Oui, je suis à poil, moi, quand je meurs. Dans le sens, je perds mes armes, donc non. Il est évident que je vais garder mon artillerie lourde. D'ailleurs, je devrais être l'auteur d'un jeu comme ça. Je ferai sauter la notion de compteur de vie. En fait, dès qu'il y aurait une mort, je remettrai au début du niveau. Enfin, ouais, ça dépend de la dynamique de jeu. Je m'avance peut-être un peu trop vite. Tout dépend du fait d'équilibrer la difficulté, en fait. Enfin, bon, bah. Putain, mais comment qu'il m'a allumé? Ah! Oh! Mais comment l'antilope derrière des piliers peut patater à distance? Je veux dire, à part donner des coups de ses doigts, je vois pas. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Je suis à fond, je me fais déboîter, mais alors une vitesse. Voilà, là j'ai perdu un quart de ma vie, génial, là la moitié. Ah, attends, faut que je bouge. Ah, même pas. Oh mon, mais comment qu'il se fait laminer Noé sur sa propre arche? Mais c'est fou. Et attends, j'en ai marre de voir ça, il faut que je sauvegarde au début du... Voilà, parce que... C'est un chiant sinon. Excusez-moi du peu. Oui, on sauvegarde. Voilà, par-dessus. Merci. Voilà. C'est très violent. Vraiment. Attendez voir. Je vais reprendre la touche pour charger rapidement. F9 pour un quick load, ok. Merde, je fais des bêtises. Ça? Yes. Yes, I want. Non, ça va plus vite en F9. Petit con. Mais je peux pas le toucher ici. Ah oui, je vais sortir, je vais me faire buter. Et voilà. Wouah. C'est trop dur. Oui, pour toute la famille, le jeu de la violence.
le jeu de la violence, de comment tu perds de la vie ultra rapidement. Ah, Mylène, elle va me buter. Elle va me buter. Ah non. Et je me suis fait avoir comme tout à l'heure. Hein. J'ai pas retenu mon erreur. Cochonnerie de saleté, allez mourir. Ça part très mal. Violence. Oh là là. C'est dur. Pourquoi ce jeu est-il si dur? Tiens, mange ta noix de coco, toi. Aïe 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 aïe. C'est dur, ouais, c'est vraiment. C'est balèze, hein. Pour un jeu qui est plutôt destiné aux gosses, au moins ils apprennent la persévérance. Hein. Ils apprennent l'acharnement. Mais comment veux-tu que je survive à ça, moi? Ouais. Bon, j'ai compris que j'avais plus de chance en allant sur la droite. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Mais il s'est arrêté de tirer. Oh, alors que j'avais le doigt appuyé sur la gâchette, là, symboliquement parlant. Je sais pas pourquoi il a eu un. Il a eu une crampe. Allez, bouge de là. Bouge de là, mais. Là, je sauvegarde parce que j'avance enfin. Attends, je vais faire une autre sauvegarde parce que. Je sais pas, croûte. Les doigts sur gâchette, ouais, les nerfs. Voilà. Putain, mais il est dur ce jeu, mais non. Ah merde, c'est en. Ah non. C'est en spirale. Quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Merci. J'ai à peine ouvert la porte que l'autre m'a explosé la tronche. Ça fait plaisir. Voilà, l'autre est dedans. Eh, il faut absolument que je trouve un. Attendez la carte. Il faut absolument que je trouve un passage secret là. Au secours. Dites-moi que c'est un passage secret. Il me faut du matos bonus là, je vais y rester. Au secours! Dites-moi qu'il y a une latte de bois qui se décale. Je vais mourir comme un caca. Oh non, c'est dur. Quoi? Vous avez entendu comme moi. Vous avez entendu comme moi. Wouah! C'est tout ce que j'ai déclaré. Wouah! Voilà, au dodo les vilains. Génial! On a des antilopes qui savent ouvrir les portes. C'est super rassurant. Blalalalalala. Ça. Eh oui, attends, le compte n'y est pas là. Il y a un secret quelque part. C'est pas possible. Sur la carte, ça correspond pas à l'épaisseur complète. Il y a un truc, c'est Majax. D'accord. Oui, il y a quelque chose qui colle pas.
Il y a quelque chose qui colle pas. Y a rien? Non. Non. Il ose me dire qu'il n'y a pas de secret là? Bah, on voit qu'il y a un espace non utilisé sur la carte. Ou alors c'est moi qui sais pas lire là. Si ça se voit que... Oh, sérieux? L'espace là est pas utilisé. Alors, je suis déception. Bon, je vais peut-être sauvegarder parce que je progresse. Ah ouais. Oula! J'ai bien fait de sauvegarder. La petite corps. Elle est solide, hein, l'arche de Noé. Il arrive même à faire des murs en belle pierre. Parce que j'ai atteint 100 fruits. Et tous les 100 fruits, on a le waouh avec une vie gagnée. Et pareil, là, il va me dire qu'il n'y a pas de passage secret. Il n'y a pas un mur qui coulisse. C'est scandaleux. Déception. Ah! De la dangerosité des angles. Ah non, merde, faut que je refasse ça. Va dormir, toi. Coucou. Bonjour, Twinsen. Ibi. Ah, il faut refaire le coup des fruits. Voilà, l'antilope de dos. Voilà, ni petit piac fonctionne pas. Le programme d'aujourd'hui, bah, c'est au possible des jeux avec les copains. Donc, bon, le matin, évidemment, je sais que je vous laisse le temps de vous réveiller, de faire votre programme à vous. Ça veut dire passage secret. Donc, c'était pas une cage. C'est même bizarre que je l'ai pas vu la première fois. J'ai pas eu le réflexe de lecture. Merde, c'est l'autre. Oh. Ibi. Chandelier. J'ai bougé des meubles hier, j'ai mon ordi de démonter, je dois le rebrancher. Ah. Ah, que je suis débile. Pourquoi j'ai ouvert la porte sans sauvegarder? J'aurais dû sauvegarder alors que j'ai vachement avancé. C'est de la folie. Voilà. Il se déplace à une vitesse. Salopard. Waouh. Eh, y en a du monde dans la pièce. Oh non, j'ai pas de pansement. Ah.
Là, je l'ai vraiment bien joué. Mais non, je voulais pas l'aide. Merde, j'appuie sur F1. Qui est con. Je voulais aller dans le menu pour sauvegarder. Oula! Je m'attendais pas à des pièces aussi grandes encore. Oh non, mais je me suis retrouvé avec une arme de... Hein? De Moïse. Rendez-moi mon arme lance-noix de coco. C'était mieux une noix de coco dans la tronche des antilopes. Non, mais c'est irrespect de la part des antilopes. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait des questions sur la... Sur la Bible. Holy Bible. Là on sauvegarde, tac, 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 on avance. Question sur la Bible. Alors, question 37. Pourquoi Dieu choisit Noah pour être dans l'arche? Parce que Noah a été courageux, enfin non, pas courageux, righteous, c'est droit dans ses bottes. Parce que c'était un bon serviteur, parce que il pouvait nager. Je dirais que c'était un bon serviteur. Ah non, bon, c'est parce qu'il était droit dans ses bottes. Alors, question 38. Noah entra dans l'arche précipitamment, je crois. Early, c'est avant de préparer pour sa famille. Non, j'irai faux. Mais si on répond bien, on gagne plus de bonus. Question 39. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que le déluge se barre? Alors, comment il a procédé pour mettre fin au déluge, en fait, Dieu? Il l'a fait avec le vent, il l'a fait avec... drainage. Avec de larges sauts. Je dirais avec le vent. Bon. La 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 la. J'ai le bordel dans l'arche. Vous avez là pour aller qui? Et... Il y a combien d'animaux dans cette section du navire là? Ce bordel. Pardon. Eh hey, tais-toi toi. Encore? Dans cette pièce. Ils en ont foutu partout dans la cale. Génial, j'ai plus que 5% de vie. Ah, bon. Qu'est-ce que... C'est plus des noix de coco, là. À ce stade, j'ai l'impression que je vais balancer des boules de bowling dans la tronche des animaux, là. Sauvegarde rapide, c'est comme ça. Oh, c'était quoi cette horrible? Eh oh, vilain bait.
Love it in beat. Coucou. Mais ce son... Le son est interdit. Merde. Oh joli. Un tir pour deux animaux. Je valide. Oh c'est dégueulasse. Elle pouvait m'atteindre, pas moi, à cause de l'objet qui nous séparait. Bonjour Poupon. Oui chasseur, oui si on veut. Ah non mais trop puissante cette arme. Sauf s'il y a un objet qui nous sépare, voilà, comme là. Allez, viens, la vilaine antilope. Vilaine bait. Viens par ici que je t'assomme. Mais elle fait sa maline. Je l'aime pas, hein. Je ne l'aime pas. Ah, voilà. On m'a quasiment zigouillé. Il y a des trucs qui se poussent là, non? Ah! On avance. Tu as enfin trouvé l'arche de Noé, c'est ça. Oh, c'est du bois cramé. Oh, cette trompette. Oh, je gang bang. Je gang bang comité d'accueil. En même temps, vous me direz, je suis mal barré. Il va me dire qu'il n'y a pas de. Ah oui, j'ai dans le noce. Alors, c'est vrai que les dinosaures avaient bouffé tous les autres animaux. Ouais. Attends, oh là! Je pensais faire face à l'autruche, mais c'est l'antilope qui m'a chargé en premier. Oh, sauvegarde ultra rapide. Bah alors? Un sale bait. Je la provoque, j'attends qu'elle vienne, qu'elle ouvre la porte. Parce que oui, dans l'arche de Noé, les animaux savent ouvrir les portes. Tout à l'heure, j'étais surpris par une antilope qui a ouvert une porte et qui m'a cuic. Bah alors. Ah non! Oh, il y a l'antilope à droite et l'autruche à gauche. Oui, c'est ça. Oui, oui, WWF et la SPA qui promulgue le jeu. Non mais quand j'ai démarré le jeu tout à l'heure, on voyait le logo approuvé pour toute la famille. Là. Bonne la concentration. Hein. Concentration. Je suis dans une situation pas cool. Ouais, famille de chasseurs. C'est ça. Alors. Ah. Oh non. Oh non, c'est honteux. C'est honteux. Et c'est comme ça que je vais m'en sortir. Oui, je vais bien. Oui, petit jour. Oui, tu m'étonnes que le jour férié est bienvenu. Oui, ça va bien, merci. Je peux faire toi aussi, Poupon. Qui dit jour férié avec moi dit jeu commun, hein, jeu ensemble. On se retrouve à faire un truc. Oui, le mois de mai, oui, ce que je disais à la famille, là, il y a des viaducs qui vont se poser, c'est plus des ponts. Parce qu'avec les jours fériés en les mercredis, j'en ai discuté avec un des membres de ma famille hier.
qui me disait tu poses tel jour en fonction de tes conditions de travail, tu poses tel jour de congé de RTT. En fait, en posant 2-3 jours, tu t'offres 15 jours de vacances. J'exagère à peine. Il y a une combinaison là cette année à faire, elle est 100%. Enfin, elle est géniale pour la glandouille, quoi. J'en connais qui vont se retrouver non pas avec 5 mais 7 semaines de congés payés. Le rêve. Le rêve. Ah! Et cette autruche qui m'agresse. Violence! Ouais, je peux pas la faire Rambo, c'est pas possible. Je peux pas la faire en mode Rambo, ça marche pas. Ça marche pas! On a vu une image très violente. Du sang giclé. Non, c'était de la chair de fruits. Mais non, mais c'est horrible. Mais pourquoi? Et voilà. Je peux pas, même pas traverser la pièce en courant, je meurs. Voilà, allez mourir. Mais c'est guet-apens. Mais voilà, exactement comme tu dis, Poupon. Comment voulez-vous que je maîtrise les vilaines bêtes? Oh non, j'ai pas le temps de me reculer. Je cherche à les provoquer, vous l'aurez compris. Je n'y parviens pas. Oh, c'est dur. Aïe, 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 aïe. Pardon. Bon, qualité inaltérable du... Oui. Merde, je vois même plus où je mets les... doigts sur le clavier. Si tu rentres avec ta coiffe sanglier en mode furtif à la solennité de la Tech Snake... Oui, oula. C'est un concept. Hop. Ah, l'antilope est là. Je l'ai vu! Oui! On avance, on avance! Non, pas l'autre. Save, save! Question sur la Bible. Alors, oui, Solid Snake, oui, tu fais référence à Metal Gear Solid. Question 40 sur la Bible. Enfin, sur le déluge, là. Alors, combien de mois Noah a dû attendre après que l'arche soit venu sur le mont Ararat? Allez, je vais dire 4 points et demi. C'est pas la bonne réponse. Oh non. Non. Alors si le jeu est bien fait, j'ai une autre question. Ah, j'ai les 41e, vous voyez, j'ai la question suivante. Alors, qui a été le premier homme à mettre le pied hors de l'arche? Je crois que c'est Shem, non? Un des fistons à Noah? Non, c'est pas ça. La 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 la. J'ai perdu. Mais. Oserais-je dire cette violence autruchienne? Question 42. Non, on y adora à la suite. Qu'est-ce que Noah offra à Dieu pour le remercier de l'avoir gardé en vie? Lui-même, les animaux. Ouais, alors celle-là était facile. Déduction logique. Mais j'ai cru qu'il allait me résister, le petit con. Oula. Oula. Oulala. Qu'est-ce que c'est que... Oh merde. Non. Bon. Oh. C'est un vrai labyrinthe. Ah. C'est un vrai labyrinthe. T'as le stress à chaque angle de couloir. Vraiment. Où ça sent le passage secret? Les munitions! Ah!
M'ont fait peur ces Nigo. Voilà. J'ai pas la clé donc j'ai pas l'air con. Attendez, j'ai la carte. Oula, vous avez vu la carte? Il y a largement de quoi faire des passages secrets là. Enfin, il y a plein de salles que j'ai loupées, c'est pas possible. Dites-moi qu'il y a un mur qui coulisse. Je veux un mur qui coulisse. Je veux des pansements à gogo. Je veux accéder à la pharmacie secrète de l'arche. Non! Non! Donnez-moi, prodiguez-moi des soins. C'est scandaleux. Ah! Il fallait que ça arrive. Nayone me dit, bon problème résolu pour Command Conquer. C'est juste le répertoire qui collait pas. Comment ça? Comment ça, comment ça? Conflit entre version CD et la version des maths. Je suppose, altération de la base de registre ou Windows. Oui, ça peut... Ça peut jouer, effectivement, Non, j'ai vu qu'il y avait l'ami Récif qui profitait de son jour de congé, là. Mince. Oui, j'allais dire, je vous le mettrais bien en lumière. Ah non, je crois qu'il jouait, pardon. Je vous mettrai Récif, qui est un mec adorable, en lumière tout à l'heure. Ah, mais qui est con? Je sais qu'il est là, en plus, mais je suis concentré plus à vous parler qu'à jouer. Donc, du coup, je fais nimp. Ah! Allez, assommage de bêtes. Dodo, toi. T'as suffisamment fait suer comme ça. Ou je la sens pas. Ou je la sens pas. Burr. Ah! Oh! Oh! I-O-U-I, like. Oh là, il y en a combien par ici? Oui. Non, antilope, je l'ai vu. Je l'ai vu. La vilaine. La vilaine. Non. Non, c'est dégueulasse. Non. Non. C'est un scandale. C'est une honte. Ah, oh, c'est parce que... Ah, oh, il faut avoir la clé pour accéder à ça. Oui, Golf Around, c'est pas mal, Nayone. Mais... C'est à vous de me faire des compositions, j'ai envie de vous dire. De jeux en commun. Mais ouais, Golf Around, j'adorais en faire, ouais. Ouais, ça me tiendrait à cœur. Bon, attendez, je suis un nigo parce que j'ai aucune des deux clés. J'ai ni la clé argent, ni la clé or. Ah! Il m'a fait peur ce con, je croyais que c'était des couloirs que j'avais déjà... Hein? Bon. Merde, je sais plus. Non, alors c'était l'autre. C'était l'autre, merde, faut que je mémorise le dédale. Ah oui, c'est lui qui m'a eu. Alors le petit con, il vient là. You, Monsieur Fetas à la kiss. Ah, je l'ai eu. Quoi? Comment est-ce possible? Non, c'est un scandale. Ah oui, c'est un pur scandale. Tout ça pour ça. C'est une honte. C'est pas possible, on a loupé des passages secrets là, les enfants. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ah! Je suis scandalisé d'être paumé. Oh, ce niveau. Oh là 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 là. Je suis quoi? J'aime bien. Hey, le mec qui m'aboule. J'ouvre la porte dans le jeu et je lis le chat. Le gars qui veut faire un assaut à l'aveugle. Oh, j'aime beaucoup le côté drap rouge au mur. J'adore. Ah. Bah, je vais pas aller loin avec ça, moi.
Il y a même des oiseaux en cage. Nouvelle. Ah, voilà qui est mieux. Tu es de dos, toi. Ah! Ah! Ouf. J'aime bien la tête de Noah. Ah oui! Là, vous voyez, je me sens mieux. Ouf! Ah, elle est maligne l'image de la cage déboîtée. Alors attendez, je me pose un peu et je vous lis. Twinset, tu me dis, Laure m'a demandé de venir changer l'heure de sa pendule, mais je ne sais pas où Laure loge. Oh là là, alors celle-là, bravo, je la connaissais pas. L'horloge. Ah, celle-là, il faudra que j'essaie de la retenir parce qu'elle est quand même classe, elle est pas courante comme... Bravo, Tunsen. Alors là, tu dis, je suis partant pour un Command Conquer General, un Golf Around, après avoir avec les autres. Bah écoute, j'essaye de finir mon chapitre là, de shipper l'animal de l'épisode 3 de l'Arche de Noé. Et puis après, si tu veux bien, dès ce matin, on fera des tests. On essaiera de se faire entre nous déjà une partie de Command Conquer Generals. Le Golf Around, on va attendre l'après-midi pour qu'il y ait plus de monde. Merde, pardon, je me trompe de touche. Comme on dit, le coup est parti tout seul. Alors je remonte mon PC, dit Twin Twin, et après avoir mangé, ouais, golf ou Tricky-Tower. Ouais, nickel, très bien. Très bien, très bien. Oui, c'est vrai, j'ai oublié que Tricky-Tower, là, le Tetris des magiciens, existe aussi. Très bonne. Oui, c'est cool. C'est cool. Ah, malin, j'ai failli ne pas voir les clés. Malin. Comme un singe. D'ailleurs, je crois que c'est le singe qu'il faut que je capture dans cet épisode. Alors, question 43. Qu'est-ce que Dieu promène, ne promet de jamais refaire? Ah, bah, de refaire un déluge. Oui, il n'y aura qu'un seul et mille déluge, en fait. Alors, question 44. Qu'est-ce que le bouquin... Quoi? Quel est le bouquin de la Bible qui... On peut trouver l'histoire de Noah? Bah, c'est la Genèse. La Genèse. Oh, la Genèse. Noah. Noah. De la Genèse. Oh! Fallait pousser le petit Noah. Ah oui, c'est bon. Là, je dis oui. Là, je me sens prêt, là. En plus, j'ai de la réserve pour patater les animaux. Wouah, qu'est-ce que c'est que cette salle dans l'arche? Elle est énorme, cette salle. Qui c'est qui m'a déboîté? Non, alors j'ai du mal à accepter que les antilopes puissent nous déboîter avec une telle violence à distance. Ça fait pas logique. Là, il y a du monde. Nickel. Chrome. Petite question. Ah non. Bah, ça a bugué. Bah. Ou alors j'ai répondu à toutes les questions sur... sur Noah. Bah merde alors. Ah, c'est peut-être parce que je suis au taquet au niveau de la vie que je peux pas... Je peux pas être soumis à la question. Parce que la récompense, c'est d'avoir plus ou moins de vie en fonction d'une bonne ou d'une mauvaise réponse. Je pense, hein. Je pense que c'est ça, le...
C'est pas vraiment un bug en fait, c'est une règle de jeu. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce niveau? On va commencer par la fin. Quoi? J'ai gagné un sac. J'ai un yigi bébé. Je sais pas ce qu'il y avait dans le sac. Ah, l'antilope. Bouh. Bah merde alors. Question 45. Quoi? Attends, quel est l'ancêtre de Noah qui vécut près de 969 années? Adam, peut-être? Non. Non. Adam a vécu un millénaire. La porte verrouillée en or, elle est où? 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 Je l'ai pas le dos. Je l'ai pas le dos. Alors dans la série, je suis complètement largué. Ah! Non, l'antilope est le seul qui me déboîte. Non mais non. Attends, ça je sais ou pas. Bah oui. Mais c'est là où il y avait l'antilope qui m'a déboîté. Allez, vilain bête. C'est ça. Bizarre. Carte, s'il vous plaît. Ah non, il y a... Si, sur le côté, il pourrait y avoir des trucs, mais j'y crois pas. Là, j'avoue que je pars pessimiste, là, pour un... Ouais. Ah bah merde, alors! Où est la serrure en or? Oui, c'était au fond. Bah, tiens. Oula. Non, c'est pas bon. Non. Si, ça... Ah, y a. J'étais pas sûr si ça dormait ou pas. Eh oui, c'est parce que j'ai une énergie à donf. Voilà pourquoi j'ai pas de... On ne soumet plus de questions sur la Bible. Oui, attendez, au fond du couloir, il y avait un trésor. Souvenez-vous, j'avais ragé de pas accéder au... Voilà pourquoi. Parce que c'était là. La porte verrouillée. Voilà, tout se tient. J'ai gagné. J'ai gagné. Comme il dit, waouh. Sauvegardons. J'ai un gros doute en même temps. C'était pas là quoi que j'aille, je sais plus. Waouh, les niveaux deviennent vraiment complexes là. Les niveaux deviennent vraiment complexes. Et il y avait. Bah non, c'était pas ça. Non, non, ça pouvait pas être ça. Ah bon? Ah ouais. Ouais, ouais. Mais non, mais non, mais non. C'est d'accord, c'est une zone bonus, ça. C'est une réserve bonus sur le navire. Je ne sais plus où c'est. Ah, ça, j'ai pas fait. Voilà. Oh, l'effort de mémoire. Ah merde! Je ne peux pas rentrer, il y a encore les animaux à assommer.
Allez, dodo, toi. Ah! Ah, antidote. Ah bah, c'est bon, on se barre. L'autre est faire le niveau, le rincer en 2 minutes, j'ai mis 12 minutes 50, presque 13. Ah, j'ai assommé tous les animaux. Oh, par contre, il devait y avoir un secret avec 1 milliard de fruits dedans, vu le pourcentage. Alors j'ai bon espoir, tu ne sais que les musiques changent en fonction des niveaux. Et encore, j'en suis pas sûr. Qu'est-ce que... Oh merde, il y a encore un truc derrière. Oh là 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 là. Oui. Merde, j'ai plus de munitions. Ah, c'est un très bon départ. Hein. Ah oui, je me disais aussi. Mais pourquoi il y en a autant que cela que je peux pas tirer par-dessus? D'ailleurs, je déteste tellement le... Vous voyez, je recharge. C'est tellement dégueulasse. Le concept de... Oui, j'ai l'air de me faire suer. C'est tellement dégueulasse le concept de... De rendre inaccessible le fait d'assommer les animaux en cause d'un objet alors que eux peuvent vous atteindre. Ah! Putain, comment qu'il a bondi comme un diable hors de sa boîte, lui? On est d'accord qu'on a des portes intermédiaires. Nous sommes d'accord. Touchez les mouettes-mouettes. Touchez les mouettes-mouettes! On fait une... Ah merde, une autruche. Essayer de faire la chute. Oui, je suis arrivé par là. D'ailleurs, il n'y a pas de... Non, ça se pousse pas. Et comme ils m'ont fait le coup avec un niveau où il y avait un boss. D'ailleurs, c'était la farce. Il y en a du monde. Oh. Ah. Bon, bah là, je suis pas à fond de ma vie, donc je vais avoir le droit à une question de la Bible. La Bible. Alors, 46. Noah a mentionné les... Quoi? Les trois derniers temps du Nouveau Testament. Non, je dis faux. Ah merci, merde, c'était vrai. Ah. Dingolo. Je soupçonne les caches pétées. Oh non, ce serait pas logique qu'il y en ait une qui se pousse. Quoique. Non, non, ce serait pas logique. C'est la pièce du gangbang que je déteste. D'ailleurs, elle m'intrigue parce que je crois que je peux qu'y aller d'ailleurs. Attendez, je prends le risque de sauvegarder, hein, tant pis. Mais... Attends, je vais rentrer dedans et voir ce qu'il en est. Non, ils ont fait... C'est dégueulasse. Ne me dites pas que je suis obligé de m'exposer à me faire patater avant d'atteindre la... Là, on est d'accord, je peux les assommer. Ben non, je peux pas. Il y a le mobilier qui m'empêche de les toucher alors que eux, ils vont joyeusement.
Alors quoi, Néné, cette musique est aussi agréable que manger un croissant? Ah. Ah oui, je me fais déboîter. J'aime pas trop leur conception de niveau là, c'est pas gentil. J'ai vilain. Alors c'est quoi les armes? J'ai ça. Je me demande si ça serait pas pour plus de... Si c'est ça en fait. En fait fallait prendre la bonne arme. Je n'avais pas la bonne arme. Voilà pourquoi. Oui, des fois je suis pas gentil. Comment chanaillonner. Mais moi aussi il m'arrive de faire mon vilain. Alors c'est un peu débile de mettre une page question à un angle de couloir. Quand j'aurai fini de répondre, ils vont me tomber dessus. Alors, qui est quoi? Qu'est-ce qui est quoi? Les descendants de Noah ont appelé le Mighty Apen la Terre. J'ai même pas compris la question. Je veux dire Elam et j'ai une mauvaise réponse. Voilà. Voilà. Quand je disais qu'ils avaient tombé dessus après la question. Ah, il y a un truc qui a une. Voilà, ça a été cassé là. Il y a une vasque qui a été... Enfin une vasque. Un pot qui a été blessé. Méfions-nous des autruches et des anquilles. Des anquilles. Mais... Elle va rester au dos, elle. Villain bait. Non. Quoi, j'ai 3% de vie. Non mais tu déconnes, toi. Je suis mouru. Alors j'ai les clés, mais niveau santé, je suis à poil. Je suis dans le mal. Non, je veux un passage secret. Je veux des pansements secrets. Et voilà. Ah, l'autre il m'a foutu ses pattes arrière dans la gueule. Après avoir sorti mon sarcasme, tu ne sais qui est absent. Mais non, il remonte son ordi. Et j'ai une bonne raison. Mais non, t'en fais pas, c'est pas ça qui va courroucer, irriter Tunsen. T'en fais pas. Bonjour Lynn. Alors, j'espère que tu vas bien et que tu profites de ton jour férié. C'est bien, ça te fait des prolongations de week-end, Lynn. Ah, j'ai trouvé un peu de santé, enfin. Ah, mais c'est la fin du niveau. Courage, prison. Ah. C'est une mauvaise blague. Quoi? Il y a quelque chose derrière le rideau. Oh. Bon, oui, ça va bien, merci. Mais c'est bien que t'ailles bien. Surtout que j'aime bien quand une scène chante la chanson du croissant absent. Eh bien. Il y a un animal qui m'a échappé. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce... Non, je cherche pas. Qu'est-ce que c'est que ce... Oui, je sais pas pourquoi, une intuition de... Je fais la promesse que je découvre, hein. Je connais pas les niveaux de l'arche. Mais instinctivement, on pouvait deviner qu'il y avait un truc. Ah, y en a
en a qui sont coriaces. Ah! Attention, une question de la Bible. Alors, question 48. Qu'est-ce qui nous a... Quoi? Quel... Quoi? Ancestor. C'est ancêtre? Quels ancêtres de Noah ne sont jamais morts? Adam, Enoch ou Jared? Je vais dire Adam. Je sais pas la bonne réponse. Adam est mouru. Hop, 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 qu'est-ce que j'entends? C'était ma porte qui s'est refermée, là je deviens parano. Oh, le boxon, cette scène, surréaliste. Alors ce jeu, en fait, c'est l'Arche de Noah 3D, Lynn. Le Noah Arche 3D. Alors j'aime beaucoup les jeux comme ça, moi. Ça a été mon adolescence, Lynn, tu sauras. Les jeux 3D... pixelisé, baveux. Je vais en faire pas mal sur mon antenne dans les années à venir. Je vous ai déjà fait Corridor 7 dans le même genre ou Operation Body Count. Et le jeu qui m'a bercé mon adolescence, accrochez-vous, mais c'est Wolfenstein 3D, le 3D. Que je sais pas si je vous le ferai en direct ou en différé, on verra. Et il y en a plein à faire. J'adore ça. Mais là, c'est l'arche de Noah 3D. Voilà. Alors, question 49. Noah est le descendant de quel fils d'Adam? Je veux dire Abel. Non, je dis n'importe quoi. Ah oui. Dis-moi qu'un pas à secret là aussi. Ah oui! Ça coulisse les lattes sur les côtés de. Oh mon dieu. Non! Si les clés étaient dans un passage secret, ça veut dire que la porte argent, c'est un bonus. Oui, il faut endormir les animaux, c'est ça. Il faut les patater à coups de fruits dans la tronche pour les qu'ils s'endorment. Parce qu'en fait, ils sèment le bordel dans l'arche. Il faut les neutraliser. Oh merde, c'est le singe. Ah, c'est le boss. C'est le singe. À qui on va apprendre à faire la grimace. Ah non, c'est le singe qui m'a cassé la gueule. Voilà. Ce que la Bible ne dit pas, c'est qu'un macaque a cassé la tronche à Noah. Ah, il me jette des noix de coco, salopard. Vilain singe, où es-tu? Viens par ici que je te donne ta correction. Attends, je pense qu'il y a une antilope sur le côté. Voilà. Je le savais. Je sauvegarde. Alors le singe, t'es où? C'est ça, le singe a tué le sage. Exactement. Oh merde! Wow, le guet-apens des autruches sur le côté. En général, quand il y a un drap sur un mur, c'est qu'il y a un passage secret. Oh merde. Encore? Mais il y a combien de duplicata de la clé? Ah! Il m'a fait peur ce... C'est Owen. Non, le singe est pas là. Le singe est pas là, les souris dansent pas. Et là, le singe va me... Ah non, il est là-bas. Ah, vite, la noix de coco, faut l'esquiver. Arrête de me lancer de noix de coco. Va dormir, toi. Je vais changer d'arme. Ah! Mon agresseur. Je sais pas si j'en aurai assez. Un peu loin, quand même. Putain, mais il continue de les... Vilain singe, viens par ici. M'en fous, il me reste 169 munitions.
Et encore, j'ai d'autres armes. Ioul, le petit con. Bah, Ioul, le singe. Il me fait une farce. Ou je l'ai assommé, j'ai pas vu. Ah non, il est là. Aïe! Il m'a lancé de noix de coco et je suis... Bref. Les noix de coco. Petit con. Mais ce petit con de singe. Ah, c'est bien, t'es prêt. Ouais, c'est cool. J'allais dire Noah. Nayone. Petit con. Aïe. Ah, je l'ai eu. Voilà, il fait deux dos. Eh ben, dis donc. Fallait que je lui lance un gros fruit en pleine poire. Il m'a fait bobo, le salopard. Alors, à quoi correspond la clé argent? This is the question. Non, je veux pas charger, je veux sauvegarder. L'inverse. Ah, ah oui, des soins. Alors, je veux résoudre le mystère de la clé argent avant de me barrer et passer à Command Conquer. Ah bah voilà. Elle est là, ma réponse. Ah bah oui, tu m'étonnes. Non mais regardez-moi, c'est munitions bonus. Putain, je vais être au taquet, moi, pour le prochain épisode. On fera je sais pas quand. On fera l'épisode 4, que je sais plus c'est quel animal qu'il faut maîtriser. Mais il est mimi quand il fait dodo, le singe. Par contre, l'idée qu'il ait la queue en spirale, j'ai un peu de mal à le concevoir. Mais bon, bref. À la limite, au sol, je veux bien aérienne comme ça. Oui, j'ai fait le plein de monde. Et je vais aller rechercher, d'ailleurs, rechercher des pansements là-bas. Attends, là c'était quoi? Ouais. Non, non, il faut que je retourne dans le passage secret où il y a des pansements. Dodo, waka tepe. Waka tepe, waka tepe, waka tepe. Merde, c'est pas le bon truc. J'étais en face. Elle est jolie, sa queue. Ça va pas faire discrimination pour une queue. Mais non, mais non. Non, mais c'est juste par rapport à la logique qu'il l'a en. J'allais dire en tire-bouchon. Qu'il l'a en spirale alors qu'il est assommé, donc. C'est. Mais bon. Le dessin est rigolo, quoi. De le voir comme ça. J'ai gagné, j'ai gagné. Quoi? Ah oui, merde. J'ai perdu. Merde, j'ai perdu mon gain de... Oh! Villain bait. Eh oui, tout n'est pas fini. Ah, ah, j'ai maîtrisé le singe, mais faut que je maîtrise les autruches. Sale bête, va. T'en foutrais, moi. Voilà, là je les ai plutôt bien gérés. Ah hop là, pic. Du coup c'est bon. On va se barrer. Cette disposition des fruits. Ah oui alors. La symétrie par rapport à la sortie. Ah oui alors. Il n'y a pas d'autre waouh. Non, il n'y a pas d'autre waouh. Vous dire aussi, c'est bien, je suis au taquet. Bon, je doute qu'il y ait un truc là. C'est pas comme si les pièces avaient été énormes. Oui. On a maîtrisé le singe. Monkey business. Le succès. Finir le niveau 3 à n'importe quelle difficulté. Oh, on va faire du Command & Conquer Generals. Alors en vrai, tu dis Lynn, pour l'époque, les graphismes étaient plutôt jolis. Ouais. Ouais, c'est soigné. Yeah. Oh, j'ai loupé un fruit et un secret. En tout cas, c'est interdit d'agresser les félins dans ton jeu. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas vu de félin, tu as raison, Nayone.
Oui, c'est bizarre ça, pourquoi ils ont pas pensé aux félins? Ils auraient pu mettre des lynx. Alors, you're going a great job, Noah. Took take care to Melvin like a real pro. Oui, bah oui, on a maîtrisé. Oui, Melvin, c'était le nom du singe. J'ai espoir que... Oui, il reste encore un... Ah, le prochain boss, c'est le kangourou. Kerry, le kangourou, ce sera pour l'épisode 4. Ah, il y a des nouvelles musiques. Ah, bien, il y aura des nouvelles musiques. Cool. Alors, attendez. Ah oui, je voulais dire que je voulais vous faire la pub de Recif. Attends, je crois que c'est comme ça. Non, merde, je me suis planté. Recif, je sais plus. Merde. Mais non, mais pourquoi j'ai écrit rack? N'importe quoi, moi. Je crois qu'il y a deux i dans... Voilà, c'est ça. Recif qui est en train de diffuser. Alors, Command & Conquer. Attendez que je gère mes enregistrements et tout le boxon.